Bah en fait je réalise pas trop que je vais faire le tour du monde encore. Je pense que c'est peut-être l'émotion des gens en partant qui va me faire prendre conscience que voilà, je fais le tour du monde. Mais en me levant le matin, c'est encore les derniers petits réglages à faire juste avant de partir qui me stressaient plus qu'autre chose. Mais là je pars serein, le matériel est prêt, le chargement est prêt. Et puis voilà, quoi, c'est dans l'émotion, je pense que ce sera vraiment avoir les visages des autres en partant que voilà, je me rends compte. Ça va faire vraiment bizarre de partir. Quoi. C'est... Bah, pour l'instant, je me rends pas trop compte. Et c'est une fois qu'on a repris l'avion en Argentine, là c'est... l'aventure va commencer. Là, c'est, ouais. Il y a beaucoup de fierté déjà. Beaucoup de fierté de Charles. On a confiance en Charles. C'est vrai que c'est un jeune homme qui est posé, qui est posé, réfléchi. Il y a moins d'inquiétude qu'il y a eu pendant la préparation, où on n'était pas certain du résultat. Quoi. Maintenant, c'est moins inquiétant parce qu'on sent qu'ils ont préparé leur truc. Quoi. Même s'il y a des moyens de communication, c'est vrai que c'est une expérience aussi pour nous. Bon, après, on ne vivra qu'une fois. Hein. J'espère.